Bonjour à tous. Donc effectivement, cette présentation produit ce matin va être animée par moi-même et Florian qui viendra sur scène tout à l'heure. On va essayer de vous présenter donc sur cette heure à venir les principales nouveautés de l'Analytics Suite. Pardon. Ça commence mal. Alors, pour ceux qui étaient là l'année dernière, vous vous souviendrez peut-être que nous avions beaucoup axé notre discours autour de la capacité à délivrer la bonne information à la bonne personne et au bon format. Cette année, on a continué encore sur cette lancée, on a continué d'investir sur cette thématique-là. Et je vais vous présenter donc, les nouveautés qui sont sorties ces derniers mois et celles qui vont arriver dans les prochaines semaines. Comme l'a dit Laurent, on va avoir donc deux grandes catégories aujourd'hui dans cette présentation. On va commencer par la notion de diffusion de l'information, qui, comme vous le savez, est une thématique qui nous est très importante chez AT Internet. Et on passera ensuite au niveau de la deuxième partie sur tout ce qui est analyse mobile, application et également cross-device. Alors sur la diffusion de l'information, aujourd'hui, beaucoup d'informations, beaucoup de nouveautés à vous présenter. Donc j'ai mis un petit sommaire. On va balayer les derniers partenariats technologiques que nous avons mis en place. On reviendra sur une fonctionnalité qui sort la semaine prochaine pour des exports data query. Je vous présenterai une petite pépite qui est une extension navigateur qui est très sympa. Et enfin, on terminera sur la thématique des data lakes, puisque comme vous l'avez compris, c'est une thématique qu'on développe chez AT Internet, dont Mathieu a parlé tout à l'heure. Alors, on revient un petit peu aux bases. Chez AT Internet, on considère qu'on a à peu près trois typologies d'utilisateurs différents. On a d'un côté les business users, on a les analystes et on a aussi ces nouveaux profils un petit peu plus scientifiques qui sont les data scientists. Donc ils ont plusieurs façons d'exploiter la donnée analytique. La première étant au travers de nos outils, directement au travers de nos applications, que ce soit du tableau de bord, du reporting ou de l'exploratoire avec notre application Data Query. Mais il y a aussi tout un pan d'utilisateurs qui vont exploiter la donnée que nous mesurons, mais sans forcément les utiliser directement dans nos outils. Donc pour ça, il y a plusieurs choses. Il y a les partenariats que nous mettons en œuvre justement pour pouvoir faire circuler la donnée et la pousser dans des outils divers. Il y a aussi la capacité d'importer des données qui proviennent d'autres plateformes dans nos outils. Et enfin, il y a toute la thématique un petit peu plus scientifique de data mining, projet Big Data, sur laquelle on va clôturer cette partie. Alors par rapport à la thématique des partenariats, vous le savez, c'est quelque chose qui nous tient extrêmement à cœur. On veut vraiment vous permettre d'utiliser les meilleurs outils du marché, de pouvoir vous interconnecter avec à peu près tous les acteurs qui sont positionnés sur tous les canaux digitaux qui sont à votre disposition. Alors pour ça, il y a plusieurs choses aujourd'hui, plusieurs nouveautés. Donc, on l'a vu tout à l'heure, la plupart de nos utilisateurs utilisent nos outils de dashboarding. Donc vous avez déjà probablement tous des tableaux de bord de pilotage qui vont vous afficher des informations par rapport à l'Analytics. Et nous avons développé un connecteur d'API qui va aller chercher des données qui proviennent d'autres plateformes. Donc vous l'utilisez peut-être déjà, mais vous pouvez par exemple récupérer des informations par rapport au téléchargement des apps avec notre partenaire DecodeApps. Vous avez des informations par rapport aux réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Twitter. Vous avez une multitude d'outils que vous allez pouvoir interfacer avec votre tableau de bord. Et aujourd'hui, on a une nouveauté donc, qui est grâce à un partenariat que nous sommes en train d'implémenter avec notre partenaire qui s'appelle OnCrawl, qui va en fait proposer un outil SEO qui va vous permettre d'avoir des informations par rapport au référencement de votre site. Et donc ce qui est très intéressant, c'est que ce partenariat va vous pousser des données par rapport au SEO de votre site directement dans le tableau de bord que vous avez AT Internet. Donc par exemple pour un traffic manager, on peut tout à fait imaginer la pertinence de ce genre d'exercice et ce qui va permettre de retrouver des métriques très, très pertinentes par rapport au nombre de pages indexables, au nombre de contenus qui sont dupliqués sur le site, les erreurs 404, ce genre de choses, directement côte à côte avec des données analytics. Alors en plus, la bonne nouvelle, c'est que nous avons le CEO de OnCrawl qui est dans la salle aujourd'hui, donc François qui est juste là. Donc si vous avez des questions sur ce partenariat, n'hésitez surtout pas à aller le solliciter durant la journée. Je pense qu'il sera un plaisir de répondre à vos questions.
Voilà pour la récupération de données qui proviennent de plateformes tierces. Mais il y a aussi la capacité dans la diffusion de l'information à pousser nos données dans des outils que vous allez probablement utiliser. Alors, on va faire un petit focus aujourd'hui sur les outils de DataViz principalement, puisque c'est des partenariats que nous avons développés ces derniers mois. Comme vous pouvez le voir, donc, Gartner a sorti une étude en 2016 qui positionne 3 leaders mondiaux dans les outils de DataViz, qui sont Tableau, Qlik et Microsoft. Pour moi, il en manque un. Alors, j'espère qu'il rentrera bientôt dans ce tableau-là, qui est BIM ou BIME pour les intimes. C'est un petit acteur français. vous utilisez probablement, pour certains d'entre vous, leur outil. Et nous avons également créé un partenariat avec cette plateforme Montpellier Rennes, puisque c'est un outil français qui vaut le détour. Alors, par rapport à Microsoft, comme vous pouvez le voir, nous sommes nativement interfacés avec eux. Nous sommes une des sources de données que vous allez pouvoir retrouver directement dans Power BI, dans la bibliothèque de sources de données. Et avec Power BI, nous avons travaillé sur deux interfaçages différents. Vous avez la première qui est en fait la version online de Power BI, qui est très simple. Il suffit de rentrer vos identifiants et vous allez avoir un tableau de bord qui est déjà préconstruit, qui a été construit par nos soins, qui va reprendre les métriques les plus standards de l'analytics et qui va donc vous afficher un certain nombre d'informations avec des représentations visuelles qui sont déjà disponibles. Et si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, si vous voulez creuser, si vous voulez retravailler un petit peu la donnée, vous avez également la version desktop dans laquelle vous allez retrouver également nos jeux de données. Alors là, bien évidemment, c'est du full custom, donc vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez dedans. C'est un petit peu plus complexe, bien évidemment, à manipuler. Donc pour ça, n'hésitez pas à vous rendre auprès du Data Angel Corner si jamais vous avez des questions par rapport à cette thématique Power BI. Alors je continue sur les outils de DataViz. On vient de le voir tout à l'heure, donc BIME. Nous avons également créé un partenariat avec eux. C'est très simple, ils ont des connecteurs d'API. Donc on va juste aller récupérer les données grâce aux URL API que vous avez par exemple dans DataQuery. Il va falloir après simplement juste recréer les dimensions pour pouvoir les réexploiter à votre guise directement dans l'outil. À peu près la même chose pour Qlik. Vous avez des systèmes donc, d'import de données, vous allez pouvoir créer des tableaux de bord. Ce qui est très sympa chez Qlik, je ne sais pas si vous connaissez, ils ont des systèmes de storytelling qui permettent également de prendre des données et de les pousser directement dans des documents prêts à partager, donc par exemple des slides PowerPoint. Et en fait, vous allez pouvoir donc juste rafraîchir les données qui sont contenues dans ces supports de manière à pouvoir les diffuser de manière régulière, assez fréquente, en vous simplifiant au maximum la tâche par rapport à cette création de supports. Et puis enfin, pour ceux qui n'ont pas d'outils modernes d'interfaçage, on a créé donc un connecteur spécifique avec Tableau. Donc là, vous avez directement dans Tableau un module AT Internet qui vous permet donc de récupérer les templates Data Query que vous avez créés dans notre outil et de les importer dans Tableau. Le résultat est identique, c'est-à-dire qu'après, vous allez pouvoir manipuler les jeux de données et jouer un petit peu avec les différentes représentations visuelles qui vous sont proposées par l'outil. Voilà pour la partie partenariat à proprement parler. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai aussi d'autres sujets à vous présenter. Un autre sujet je pense, va vous intéresser vivement, c'est une extension de navigateur que nous avons appelée InPage Analytics. C'est une petite extension qui suffit de télécharger, qui va vous permettre directement, lorsque vous êtes en train de naviguer sur votre site, d'avoir des données contextualisées qui s'affichent dans votre page de navigateur. Donc je vais vous montrer une petite vidéo, ce sera beaucoup plus simple. C'est parti, normalement, voilà. Alors, j'ai téléchargé donc, l'extension au préalable, je suis sur mon site, et donc je clique dessus. Donc, comme vous pouvez le voir, ça va m'afficher des KPI par rapport à la page sur laquelle je me trouve, avec des valeurs. J'ai ensuite un graphe qui va me permettre d'avoir un prévisionnel par rapport à une période de comparaison. Donc, c'est très, très visuel. Je vais pouvoir jouer un petit peu avec ça. J'ai le détail éventuellement aussi donc, des sources, avec la possibilité d'exclure une source pour avoir un pie chart. Et je vais pouvoir jouer un petit peu avec les métriques. Donc là, chargement de page, ça c'est intéressant.
Vous avez plusieurs types de périodes. Vous allez pouvoir aussi jouer avec les périodes de comparaison. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez à la fois pouvoir analyser une page en particulier, mais aussi le niveau 2 auquel elle est rattachée, ou le site au global, donc pour faire des comparaisons entre le trafic d'une page spécifique et le trafic total du site sur lequel vous êtes. Et l'autre façon d'utiliser cet outil, c'est via le panneau de debug. Donc là, c'est intéressant puisque finalement, l'affichage reste, quelle que soit la façon dont vous naviguez sur le site. Donc par exemple, ici, je vais changer de page et les valeurs vont se réactualiser automatiquement à chaque nouveau clic, chaque nouveau chargement de page. Donc c'est très visuel, c'est très pratique et je pense que ça va en intéresser plus d'un, notamment sur des analyses très précises en fonction de la page, puisque vous n'avez pas à finalement retrouver le nom de la page sur laquelle vous souhaitez faire l'analyse, aller dans notre outil, retrouver cette page en question, lancer un jeu de données. Tout est directement intégré dans votre navigateur. Voilà pour l'InPage Analytics. Alors, autre nouveauté qui, je pense, va plaire aussi à tous ceux qui utilisent aujourd'hui notre application Data Query. Alors, nous avons travaillé sur la facilité d'extraction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes nombreux à utiliser notre API, mais encore faut-il pouvoir l'utiliser, faire des appels API, automatiser tout ça. Donc, il faut des profils qui puissent le faire. Nous avons donc développé une fonctionnalité qui va vous permettre de planifier des exports directement depuis notre outil vers un serveur FTP, par exemple. Donc, lorsque vous êtes dans Data Query, vous allez avoir une pop-up qui va vous permettre de planifier l'envoi d'un template vers un serveur. Donc, c'est très simple, c'est directement intégré dans Data Query. À la première planification, vous aurez à configurer donc le ou les serveurs sur lesquels vous voulez pousser les données et vous aurez à votre disposition plusieurs fréquences d'envoi en fonction de la typologie de données que vous cherchez à extraire. La bonne nouvelle, c'est que cette fonctionnalité-là, elle sort la semaine prochaine. Donc, c'est dans les cartons, ça arrive. Vous aurez une petite news interface lorsqu'elle sortira et c'est directement intégré dans Data Query. Et vous retrouverez ensuite les planifications dans l'application Export qui est là pour ça. Alors, dernier sujet qui n'est pas le plus simple, on va dire, la thématique des data lakes et la thématique du big data. Donc moi, je suis désolée, je n'ai pas de licorne, Mathieu, dans ma presse, ça change. Mais par contre, j'ai des lacs, j'ai des lacs de données, puisque c'est une thématique qu'on voit beaucoup aujourd'hui, on en entend extrêmement parler. Les projets Data Lake, les projets Big Data, qui ont pour objectif de pouvoir faire du reporting consolidé. On l'a vu tout à l'heure, il y a une multitude d'outils marketing, donc il faut pouvoir après consolider toutes ces informations entre elles. On va pouvoir faire de la recommandation intelligente, ou on va pouvoir faire après des projets un petit peu plus long terme de machines learning. Alors, par rapport à ça, nous, finalement, dans les projets Big Data, nous allons être une des sources de données qui vont être exploitées par l'entreprise, une de vos sources de données, mais parmi tant d'autres. Et on a vraiment à cœur de vous faciliter, en fait, cette mission, puisqu'on sait que c'est pas forcément chose facile. Donc, on a développé un nouvel outil qui s'appelle Dataflow, qui est une API spécifique qui va vous permettre d'extraire depuis notre système des quantités d'informations très très importantes. J'y reviendrai un petit peu après. Je balaye juste un petit exemple avec vous que je trouve très sympa et qui montre bien en fait la typologie d'informations qu'on peut trouver en utilisant ces données alors qu'on n'aurait peut-être pas pu tomber dessus sinon. Alors c'est une chaîne américaine du Midwest, une chaîne alimentaire qui s'est rendue compte en analysant ces données que le jeudi soir, les hommes venaient souvent acheter des couches, des paquets de couches, en petite quantité, puisque c'est souvent des réassorts en attendant les courses du samedi qui sont plus conséquentes. Et lorsqu'ils ont analysé les données, ils se sont rendus compte que les hommes qui viennent le jeudi soir acheter des couches achètent également de la bière. Alors c'est sûrement pour qu'elle soit au frais pour le week-end, pour le match du samedi, je ne sais pas. En tout cas, ils se sont rendus compte que c'était une tendance qui était assez significative, en tout cas dans les habitudes de consommation. Et donc ce qu'ils ont décidé de faire, tout simplement, ça a été déjà de rapprocher le rayon couche du rayon bière, puisque instinctivement, comme ça, on ne les aurait peut-être pas mis côte à côte. Et surtout, ils sont malins, ils ont arrêté de faire des promotions sur les couches et les bières le jeudi, puisqu'ils savent que de toute manière, les gens vont acheter le produit au prix fort, donc
voilà, ils ont amélioré en tout cas les conversions autour de ce sujet. J'aime bien cet exemple parce qu'effectivement, c'est assez rigolo, mais si on l'applique au global sur 50 ou 100-150 démarches différentes d'achat, tout ça mis bout à bout, ça va vraiment avoir une augmentation significative du chiffre d'affaires pour la marque en question. Alors pourquoi est-ce qu'Ata Internet vous parle beaucoup de ça? Pourquoi est-ce qu'on vous parle de Big Data? C'est parce que on considère que dans ces démarches-là, les données analytics, les données que nous collectons pour vous, ont vraiment un sens très important. Ce sont des données first party, ce sont des données fiables, ce sont des données que nous collectons, qui sont exclusives, personne d'autre n'y a accès. Ce ne sont pas des données que vous pouvez acheter sur diverses plateformes marketing. Et donc, elles sont exclusives. Ça, c'est un premier point. Et surtout, elles sont cohérentes et elles seront consistantes dans le temps. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette étude e-consultancy, c'est pas moi qui le dis, la majorité des clients qui ont aujourd'hui une démarche de big data considèrent que les données analytics ont une part très importante à avoir dans ces démarches-là et ont un rôle majeur par rapport à la qualité de la donnée qui va donc découler des projets. Alors je reprends juste un petit schéma, alors ça fait beaucoup de lignes, mais c'est aujourd'hui le schéma du data processing chez Ata Internet. Donc la donnée arrive chez nous, elle est collectée, donc elle est collectée via les hits, elle est ensuite traitée, elle est calculée, donc on va identifier le visiteur, on va identifier la visite, on va mesurer tous les attributs qui lui sont propres, la géolocalisation, le device qui est utilisé. Et une fois que ces données sont traitées, on va les stocker pour pouvoir après les exploiter directement dans nos outils ou pour les partager. Alors Dataflow vient directement se pluguer au niveau du traitement de la donnée. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Très simplement, puisque pour nous c'est très important, lorsqu'on parle d'export de données, d'embarquer toute cette identification du visiteur de la visite, puisque ce sont des éléments que seuls nous sommes en capacité à calculer. Donc on ne veut pas vous donner des informations brutes, on veut vous enrichir ces données-là. Mais par contre, on veut qu'elles soient très granulaires, on veut qu'elles soient très, très, très fines et qu'elles vous détaillent vraiment la totalité des actions que chaque visiteur va réaliser sur votre site. Ce qui est important aussi, c'est que si vous avez des règles Data Manager en place sur votre marquage, nous les prendrons en compte également dans Dataflow. Donc vous avez une donnée, quelle que soit la façon dont elle est exploitée, qui est la même au travers des différentes plateformes que nous proposons. Et pourquoi nous avons également travaillé sur ce système-là, c'est pour pouvoir exporter des quantités énormes de données de manière très performante. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, j'ai l'impression qu'il y a un petit souci de micro. Bref. Alors vous vous demandez peut-être quelle est la différence entre l'API que vous utilisez déjà et l'API Dataflow. Alors j'ai repris ces deux images-là que j'aime bien. L'API de DataQuery, finalement, c'est une API qu'on appelle un petit peu plus de reporting chirurgical. Vous avez une question, vous allez la poser à notre système. Vous allez essayer d'approfondir une source ou un segment de visiteurs. Donc vous avez déjà un périmètre isolé. Vous allez pouvoir croiser des dimensions entre elles, vous allez pouvoir faire des filtres, des segments. Donc on n'est pas sur la totalité du trafic, on est déjà sur une analyse très précise. Dataflow, c'est tout l'inverse. En fait, concrètement, c'est la totalité des événements qui sont réalisés par chacun de vos sites. De manière très détaillée, c'est-à-dire que dans un fichier, par exemple, vous allez avoir une ligne par événement qui a été créé, qui a été réalisé par un visiteur, que ce soit un clic de page, un chargement, peu importe. Voilà, pour la différence, j'espère que c'est très clair. Donc pour résumer, Dataflow, c'est une nouvelle API qui est fiable, puisque comme on l'a vu, ce sont des données qui sont intégrées dans notre data processing, donc elles sont de qualité, elles sont détaillées, puisqu'on va vraiment vous donner l'exhaustivité des informations à l'action près, et surtout c'est très complet, puisque vous n'avez pas de limitation, c'est-à-dire qu'en un seul et même fichier de sortie, vous allez potentiellement récupérer des millions ou des milliers d'événements. Et nous n'avons pas de limite par rapport à ça, ce qui est très important dans ce genre de projet, où déjà l'extraction de données peut être un petit peu complexe à gérer côté client. Donc nous vous épargnons toute limitation, quelles qu'elles peuvent être, sur les formats de sortie. Et puisque ce n'est pas uniquement une API, vous avez également une interface qui va sortir en fin d'année, qui va vous permettre de gérer en parfaite autonomie, la création et la configuration de ces flux Dataflow, de manière à ce que vous puissiez directement décider quelles sont les dimensions que vous souhaitez extraire. Puisque ce qui est très important, c'est que vous pouvez tout récupérer,
Mais parfois, vous allez vous retrouver après avec des montagnes de données qui seront peut-être beaucoup plus difficiles à exploiter que si vous avez particulièrement ciblé sur certains éléments en particulier, ou en tout cas être dans une démarche itérative où vous allez sélectionner quelques dimensions et puis en rajouter au fur et à mesure. Donc cette interface-là sort fin d'année, le 22 décembre de mémoire, et donc les clients qui auront l'option Dataflow verront apparaître une nouvelle icône sur la suite Analytics. Alors, je vais passer le micro à Florian pour faire un petit break dans le déroulé et je reprends le micro tout à l'heure. Bonjour tout le monde. Alors, comme l'annonçaient Laurent et Marion, on va parler maintenant un petit peu de mobile, de vision unifiée, et donc réellement essayer de vous donner un petit peu des conseils, des techniques pour améliorer en fait tout ce qui va être marquage mobile et utilisation des données mobiles. Première chose, j'ai récupéré des données donc de 2015, donc c'est ce que vous pouvez voir sur votre gauche. Donc en 2015, on avait eu un ajout de sites qui était assez énorme en termes de sites mobiles. Donc on avait de plus en plus de clients qui rajoutaient des sites mobiles. Aujourd'hui, en 2016, on voit que les sites mobiles sont beaucoup moins ajoutés. Donc on a une hausse seulement de 6%, mais on voit qu'on a une hausse importante de sites web et d'applications. Pourquoi ? Tout simplement parce que les mentalités évoluent et aujourd'hui, on ne va plus parler de sites mobiles, mais on va parler soit de sites responsives, soit d'applications. Du coup, on a essayé de vraiment se focaliser donc, sur uniquement ces supports-là pour répondre au mieux à toutes vos questions. Première chose, quelques petits chiffres, puisque ça fait peut-être 3-4 ans qu'on vous parle de l'année du mobile. Et à chaque fois, c'est pareil, les données évoluent énormément. Et donc, du coup, ça y est, à partir de cette année, le mobile est plus utilisé que les ordinateurs de bureau pour accéder à Internet. Donc, on a 52,7% du trafic du web qui se passe via des téléphones mobiles, donc, que ce soit sur des sites responsives ou sur des applications. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a quelques années, donc les sites mobiles, c'était vraiment uniquement un support de promotion du site web. Mais aujourd'hui, on a plus de 7 milliards d'euros qui est généré sur les téléphones. Donc on a arrêté d'utiliser les téléphones uniquement pour chercher des informations. Et à partir d'aujourd'hui, on va vraiment les utiliser pour convertir et pour effectuer des achats. Mais quelques autres petits chiffres pour aller un petit peu plus loin. Donc la première chose à noter, c'est qu'on a la quasi-totalité des entreprises qui veut augmenter leurs investissements sur le mobile. Donc la première chose, c'est qu'on a 66,7% des investissements sur l'année 2007 qui sont prévus comme étant dans le secteur mobile. Et la deuxième chose, c'est que 71% de ces investissements mobiles vont être dans des applications natives. Par contre, lorsqu'on s'intéresse un petit peu aux entreprises, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a à peine 51% des entreprises qui vont mesurer le ROI et l'engagement dans leurs applications. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement, le mobile est devenu quelque chose de fondamental, quelque chose qu'on va utiliser tous les jours, mais en même temps, on a une maturité qui est encore assez faible là-dessus et on manque un petit peu de prendre des décisions et de prendre les bonnes données pour prendre des décisions tout simplement. On a un petit peu réfléchi sur pourquoi. Et une des raisons que l'on a trouvées, c'est qu'aujourd'hui, pour marquer une application, c'est quelque chose qui va être long, donc ça va nous prendre beaucoup de temps. Donc moi, j'ai vu certaines implémentations qui ont duré 6 ou 7 mois, voire même plus, donc on sait que ça peut être quelque chose de très long. Et pourquoi ça peut être long ? Bah, tout simplement parce que c'est assez difficile. Donc lorsqu'on parle d'application, potentiellement, on va parler d'Android, d'iOS, de Windows, donc on va avoir énormément de formats et de langages différents, et donc on n'aura pas forcément toujours toutes les compétences nécessaires pour effectuer ceci. Et la deuxième chose, c'est que ça va être très coûteux, puisque en effet, si on doit marquer trois applications trois langages différents pardon, pour une application, ben on va avoir un coût qui va être relativement important, puisque le travail, on ne va pas le faire une fois, mais on va le faire plusieurs fois. Du coup, cette problématique-là, vous êtes au courant, puisque l'année dernière, on avait proposé donc, quelque chose qu'on avait appelé BioFeature. Tout simplement, on vous avait proposé plusieurs sujets. Et dans ces sujets-là, il y en avait un donc, que je vais vous parler juste après, qui était Smart SDK, où l'objectif était de simplifier le marquage.
Et là, c'était assez impressionnant puisque quand on a regardé les résultats de ce Buy a Feature, ce sujet est ressorti premier avec énormément d'avance sur les sujets suivants. Donc vous êtes tout à fait conscient que c'est quelque chose de compliqué sur lequel nous devons travailler. Donc à partir de là est né Smart SDK. Donc vous l'avez peut-être vu, mais la semaine dernière, une nouvelle application est apparue dans votre interface. On n'a pas communiqué dessus puisqu'on voulait le faire justement aujourd'hui. Et donc cette application, c'est Smart SDK. Donc la première version de cette application sera pour iOS uniquement, mais on va travailler sur Android très rapidement. Et donc début d'année 2017, du coup, donc celle qui arrive, on vous proposera avoir une version Android pour répondre en plus de ça à ce langage. Trois choses à savoir sur Smart SDK, c'est pourquoi on a sorti ça et en quoi ça va vous aider. Première chose, donc je vais le préciser un petit peu tout à l'heure, mais c'est une ligne de code, donc une implémentation très très simple. La deuxième chose, c'est que on s'est posé une question sur comment marquer une application. Et on s'est dit, c'est bête, mais la façon la plus simple de marquer une application, c'est de l'utiliser. Je clique sur un bouton et je le renomme en direct. Comme ça, je sais exactement quelle action j'ai effectuée et je vais créer tout mon marquage au fur et à mesure. Et la troisième chose, ça va être une mise à jour instantanée, donc de dire que je n'ai pas besoin d'attendre des mois, des semaines, ou peu importe quoi, peu importe si c'est le store, si c'est les utilisateurs, si c'est mes équipes techniques, mais je veux avoir contrôle sur ce marquage-là. Première chose sur Smart SDK, donc deux cas sur lesquels cette application va être excellente et va vraiment vous permettre de gagner énormément de temps. La première chose, c'est une application basique. Là, je vais prendre un exemple tout bête, c'est qu'on a un client français. Chaque année, ils ont un hackathon. Donc leur hackathon, il va durer 24 heures et au bout de ces 24 heures-là, ils sortent une application mobile. Autant vous dire qu'en 24 heures, le temps destiné à l'analytics est d'environ 0 minute. Ils n'ont vraiment pas le temps, ils ne veulent pas marquer leur application. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'ils sortent une application à la fin de leurs 24 heures et au bout de 6 mois, bah, ils ne savent même pas si ça a marché puisque du coup, il n'y a aucune solution en analytics dessus. Du coup, Smart SDK va justement leur permettre en 5 minutes d'avoir un marquage de leur application et après ça, pouvoir prendre des décisions, pouvoir se dire bah, « Ok, mon application, elle n'a pas marché pour une seule raison, c'est que mon tunnel de conversion n'était pas bon. » Mais on a vu qu'il y avait un intérêt et du coup, derrière, ils pourront travailler dessus pour essayer de rentabiliser l'application qu'ils avaient créée en seulement 24 heures. Et la deuxième chose, deuxième cas d'utilisation où Smart SDK va être excellent, c'est lorsque vous allez avoir une nouvelle application qui va être lancée. Donc souvent, vous le savez aussi bien que moi, quand on va lancer une application, bah, l'analytics va arriver à la fin de la conception. Quand on a de la chance, des fois ça arrivera même une fois que l'application est déjà lancée. Et c'est un gros problème pour vous, puisque vous allez avoir peut-être quelques jours, quelques semaines, avec soit des données qui sont incomplètes, qui ne sont pas du tout cohérentes, voire même sans aucune donnée. Et donc du coup, là où Smart SDK va être excellent pour vous, c'est qu'en 5 minutes, vous allez pouvoir l'installer, vous allez avoir énormément de données qui vont remonter de base, et une fois que vous avez un petit peu plus de temps, bah, vous allez pouvoir demander à vos équipes techniques d'aller dans le code pour rajouter certaines données supplémentaires. Donc un exemple tout bête, c'est les visiteurs identifiés. Donc on a beau faire un marquage ultra automatique et ultra simple, les visiteurs identifiés d'une application à une autre, c'est pas la même chose, c'est pas au même endroit, c'est pas les mêmes données qu'on doit récupérer. Et donc du coup, pour ça, le développeur aura la main dessus pour dire où on doit trouver cette information-là. Donc une ligne de code. Tout simplement, vous accédez à l'interface, vous téléchargez le SDK, vous avez une ligne à copier-coller, c'est terminé. On a terminé l'implémentation, ça fait à peine une minute qu'on travaille et déjà notre application va remonter des données. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'énorme puisque vous allez gagner énormément de temps et vos équipes techniques, vous n'avez pas besoin de leur dire « je vais avoir besoin de 3-4 jours de travail pour vous », mais juste de 5 minutes. Une fois que ceci aura été fait, vous aurez accès à une interface. Donc vous pouvez voir à l'écran, c'est un petit peu pixelisé à cause de PowerPoint, je suis un petit peu désolé. Et donc du coup, tout simplement, vous pouvez voir à l'écran là donc le téléchargement. Une fois que vous avez téléchargé et installé Smart SDK, vous pouvez connecter votre téléphone à notre interface. À partir de ce moment-là, tout ce que vous effectuez sur le téléphone va apparaître sur notre interface. Et vous allez donc pouvoir renommer au fur et à mesure tout ce que vous effectuez sur le téléphone. Donc que ce soit le nom de l'écran, que ce soit le nom des événements,
Tout simplement, tout apparaît à l'écran. Vous pouvez cliquer directement sur les captures et le renommer en direct. Et là, je vais vous dire une chose, c'est que si vous avez le moindre doute que ça fonctionne ou pas, à 17h, il y a un atelier. On fera une implémentation en direct ensemble. Donc, n'hésitez pas à venir. Et on vous montrera que ça, ce n'est pas juste une magnifique vidéo complètement fake, mais c'est bien de la réalité. Dernière chose que j'avais un petit peu évoquée, donc c'est la mise à jour instantanée. Donc, trois points qui sont super intéressants, c'est qu'une fois que vous avez intégré SmartSDK, vous allez pouvoir le mettre à jour via notre interface. Et donc, du coup, vous n'avez pas besoin de demander à vos équipes techniques pour le mettre à jour. Vous n'avez pas besoin de demander au store, vous n'avez pas besoin de demander à Apple qu'ils acceptent les modifications que vous venez de faire. Et la troisième chose, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre que vos utilisateurs mettent à jour votre application. Et ça, c'est un point énorme, puisqu'on a regardé un petit peu les données de mise à jour des applications. Et il y a une chose qu'on remarque, c'est qu'au bout de 48 heures, on a 50% des utilisateurs qui ont mis à jour leur application. Donc ça monte assez vite. Par contre, quand on regarde au bout de 30 jours, on se rend compte qu'on a 10% des utilisateurs qui n'ont toujours pas mis à jour leur application et potentiellement ne la mettront jamais à jour. Donc en fait, si vous faites une modification de marquage directement dans l'application, ça ne touchera malheureusement pas tout le monde et votre marquage restera incomplet pour toujours un pourcentage d'utilisateurs. SmartSDK, ce n'est pas uniquement une question d'implémentation, mais aussi en 5 minutes de travail, vous allez activer toutes les analyses App Analytics côté AT&T. Donc, il y a de cela un an, on avait lancé les bases de l'App Analytics chez AT&T. Donc, on avait créé énormément d'analyses mobiles pour vous permettre d'analyser donc, toutes les notions de rétention, d'engagement, d'acquisition, donc toutes ces notions très spécifiques aux applications qui sont ultra importantes à suivre. Donc on était très content de ça, ça a été vraiment un grand pas en avant pour nous, mais on a voulu aller encore plus loin, puisqu'on sait que c'est de plus en plus demandé, et donc du coup, on a focalisé nos efforts sur ces analyses mobiles pour sortir de nouveaux éléments. Première chose, vous l'avez peut-être déjà vu, mais lorsque vous allez dans le gestionnaire de tableau de bord dans notre interface, vous avez un bouton qui s'appelle « Modèle ». Et dans ce modèle-là, vous allez trouver donc, l'activation en fait, des analyses donc, de mobile App Analytics. Donc, c'est toutes les analyses dédiées aux applications. Vous allez dessus, vous cliquez et c'est instantanément activé et utilisable dans nos interfaces. Donc du coup, vous avez intégré SmartSDK, ça vous a pris 5 minutes. Vous allez dans le tableau de bord, ça vous prend là aussi même pas 5 minutes. Et donc du coup, vous allez pouvoir avoir en temps réel vos données qui vont apparaître dans ces tableaux de bord. Du coup, focalisons-nous un petit peu sur les nouveautés qui sont parues cet été. Donc c'est justement les analyses, donc in-app Analytics V2. Donc on a repris le modèle App Analytics qu'on avait déjà depuis l'année dernière et on a rajouté des informations. Donc la première chose, c'est qu'en plus des visites, on a rajouté une notion spécifique aux applications qui sont les sessions. Donc les sessions, tout simplement, qu'est-ce que c'est ? C'est toutes les interactions qui vont se passer entre le moment où j'ouvre une application et le moment où je ferme une application. Donc ça, c'est une session. Donc c'est légèrement différent de la visite puisque on ne parle plus de durée d'inactivité, mais on parle vraiment des interactions qui se passent entre une action d'ouverture et une action de fermeture. La deuxième chose sur laquelle on a travaillé, donc je vous le présenterai un petit peu plus en détail juste après, donc c'est la notion de crash. Et enfin, bien sûr, on a repris toutes les analyses que l'on avait jusqu'à aujourd'hui et on a rajouté des éléments que l'on jugeait pertinents, donc soit parce qu'on a eu des retours clients sur des besoins supplémentaires, soit parce que nous, on a jugé intéressant de rajouter certaines analyses. Donc un exemple tout bête, c'est dans toutes les notions d'acquisition, on a rajouté donc, des segments de visiteurs qui vont vous donner justement des informations sur leur utilisation. Donc on va avoir des utilisateurs réguliers, donc qui vont revenir très souvent sur l'application, des utilisateurs occasionnels, des utilisateurs engagés, etc. Donc vous avez plusieurs segments que vous allez pouvoir exploiter par la suite. Si on continue, donc comme je vous l'ai dit, je voulais parler un petit peu de crash avec vous. Pourquoi l'analyse des crashs ? Tout simplement parce que à chaque fois qu'une application va avoir un crash, l'utilisateur va quitter cette application. Donc ça, c'est obligé, il n'aura pas le choix. Et il est probable qu'il ne revienne pas sur l'application. Donc admettons, il était en train d'acheter un t-shirt ou un pull sur votre application.
à un moment donné, l'application crash, mais il ne reviendra pas. Ce qu'il avait prévu d'acheter, il ne reviendra pas sur l'application et il ne l'achètera pas. Donc c'est vraiment une perte de chiffre d'affaires net et une perte de visiteurs importante d'avoir des crashs sur l'application. Du coup, il est très important de réduire au maximum ces crashs-là. Je vais prendre un petit exemple que l'on a eu aussi avec un client récemment. Donc c'est un client international. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont sorti une nouvelle application il y a 2 mois. Et donc, ils ont commencé à suivre un petit peu les données donc, au moment du lancement. Et ce qu'ils se sont rendu compte, c'est qu'au bout de 2 jours, ils avaient donc une version de leur application qui crachait beaucoup. Et du coup, ils ont envoyé directement un mail à leurs équipes techniques en leur donnant donc voilà l'écran sur lequel on rencontre les crashs, voilà le nom technique que Internet m'a transmis, est-ce que vous pouvez regarder ? Et donc tout simplement, 2 jours après, donc on a moins d'une semaine qui s'est écoulée entre le moment de lancement de l'application et de la correction du crash, donc ils ont mis en place une nouvelle version qui corrigeait ce problème-là. Et là où c'est très intéressant et c'est très valorisant pour nous, on a reçu un message de leurs équipes techniques directement nous disant que du coup ils ont gagné plusieurs jours pour retrouver la source de ces crashs. Donc c'est très intéressant et c'est une mise en situation pour comprendre comment l'analyse des crashs peut nous permettre de gagner du chiffre d'affaires. Donc jusque là je parlais d'INAP Analytics, mais il faut savoir une chose, c'est que c'est pas la seule composante des applications. Il y a aussi ce que nous, on appelle l'App Store Analytics, avec notamment le sujet phare à ce niveau-là, qui est le suivi de l'ASO. Donc l'ASO, c'est l'App Store Optimization. Donc tout simplement, c'est optimiser notre place sur les stores. Donc pour ce sujet, on a fait appel à un partenaire donc, qui est Decodapps. Nicolas Goublier est là aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller le voir ou venir me voir moi si vous avez des questions supplémentaires là-dessus. Dans cette présentation-là, j'ai retenu deux points que je jugeais ultra importants et que je voulais mettre en avant avec vous aujourd'hui. Donc la première chose, c'est sur l'ASO. Tout simplement, on va pouvoir suivre très rapidement et très simplement la performance de l'application. Donc que ce soit en termes de téléchargement, mais que ce soit aussi en termes de notes et de commentaires. Du coup, vous allez pouvoir suivre votre application et si du jour au lendemain vous voyez que vos notes se mettent à baisser et que vous avez de plus en plus de commentaires négatifs, vous allez pouvoir créer des alertes et recevoir justement ces informations-là pour derrière commencer à chercher un petit peu plus dans ces commentaires-là et comprendre pourquoi du jour au lendemain votre application devient négative. Et la deuxième chose, donc, c'est toute la partie de benchmark, donc de pouvoir suivre plusieurs applications dans une seule interface et étudier notre positionnement par rapport à ces applications-là. Du coup, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on va suivre plus de 3 millions d'applications avec Decodapps. Et donc, du coup, vous allez vraiment pouvoir suivre tous vos concurrents. Ces 3 millions d'applications-là, elles sont dans le monde entier. Donc, que vous ayez une entreprise uniquement présente en France ou une entreprise en Europe, voire même dans le monde, vous allez pouvoir suivre tous vos concurrents. Et la dernière chose, c'est que vous allez pouvoir créer des benchmarks par industrie. Donc si vous, votre secteur d'activité numéro 1, c'est l'e-commerce au niveau vestimentaire, vous allez pouvoir créer un benchmark uniquement sur ces applications-là. Mais aussi, en parallèle, vous avez peut-être envie de créer un autre benchmark qui va être sur les 100 plus grosses applications de e-commerce, peu importe le domaine. Donc du coup, pour peut-être chercher de l'inspiration venant d'un petit peu tous vos concurrents. Et une fois que vous avez ces données-là, vous allez pouvoir suivre les applications les mieux notées, les applications les mieux commentées, et peut-être regarder dans ces commentaires-là pourquoi l'application est utilisée et pourquoi elle est appréciée, et derrière pouvoir dire, ces notions-là, j'aimerais bien les intégrer à mon application, ou alors tout simplement dire, leur application est bien pour une raison X, mais cette raison-là, je n'ai pas envie de l'intégrer à mon application, puisqu'elle ne vaut pas, parce que je juge qu'elle ne vaut pas le coup. Donc ça, c'est pour la partie App Store Analytics, donc vraiment le suivi de toutes les applications des stores. Du coup, moi aujourd'hui, je vous ai parlé uniquement de mobile, en ayant un gros focus sur Smart SDK et sur l'App Analytics. Donc l'App Analytics, ça englobe à la fois l'In-App Analytics et à la fois l'App Store Analytics. Récemment, donc cette année, on a vraiment focalisé nos efforts sur le développement du mobile, donc que ce soit avec des nouvelles techniques d'implémentation ou alors avec des nouvelles analyses qu'on vous a proposées. Mais ce qui est important de noter, c'est que c'est pas analyser son application, c'est une chose importante, ce que l'on doit faire,
mais on ne doit pas s'arrêter là. Donc Mathieu, un petit peu plus tôt, vous a parlé d'une notion de visiteur. Et justement, c'est ce que l'on veut voir maintenant, de se dire que OK, j'ai son fonctionnement sur les applications, mais j'ai envie d'avoir son parcours au global sur toutes les plateformes que je propose. Et pour ça, je vais redonner la parole à Marion à nouveau. Alors, effectivement, la thématique cross-device est une thématique très, très importante. On va vous présenter les nouveautés par rapport à cette thématique-là. Alors, pour ceux qui étaient là l'année dernière, vous vous souvenez sûrement de ce magnifique Pac-Man animé qui représente la difficulté de la mesure du parcours cross-device. Et aujourd'hui, malheureusement, ce Pac-Man pourrait être encore plus complexe parce qu'en un an de temps, ça s'est encore plus complexifié. Alors j'ai repris une étude qui est assez intéressante, qui est toute récente, qui date de 2016, qui explique que dans les parcours de conversion, vous avez 50% des démarches de conversion qui commencent sur un mobile, mais qui vont se terminer ailleurs. Donc ils vont se terminer à 50% sur un autre device, sur un site web. Et inversement, vous avez 65% des démarches de conversion qui commencent sur un web, qui convertissent sur le web. Mais comme vous pouvez le voir, vous avez quand même 13% de ces processus d'achat qui se terminent ailleurs, qui se terminent sur du mobile ou en magasin. Alors c'est très intéressant d'avoir ça, mais finalement le parcours utilisateur il est peut-être facile à définir, mais il est très très compliqué à mesurer. Et ça devient presque une mission impossible, puisque ça se diversifie de plus en plus, les rythmes s'accélèrent et il faut pouvoir donc avoir une vision complète et holistique de ces différents devices. Alors chez AT Internet, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi d'inverser un petit peu l'axe d'analyse, c'est-à-dire d'oublier un petit peu l'axe traditionnel de la visite du device ou de la visite du site et du device auquel il est rattaché. Ça veut dire qu'il faut inverser la façon dont on va analyser et on va plutôt partir sur des analyses qu'on appelle user-centric. Alors je prends un exemple, j'ai un site ou j'ai plusieurs sites qui sont donc accessibles au travers de différents types de devices et au cours d'une semaine, j'ai trois visiteurs qui vont venir chacun une fois par jour sur lundi, mardi, mercredi et qui vont utiliser différents types de device. Dans une démarche analytics classique du terme, lorsque vous souhaitez analyser ce comportement, vous pouvez potentiellement vous retrouver avec un chiffre qui correspond à 9 visiteurs, puisque vous avez différents devices, vous avez différents jours. Ce qui veut dire que vous n'avez pas forcément de déduplication du visiteur en fonction des devices qu'il utilise et en fonction de votre période d'analyse. Malheureusement, c'est un petit peu faux, puisque vous en avez trois, et c'est important de pouvoir accéder à cette information. Et pour ça, il faut pouvoir le faire, puisque ce sont des calculs de déduplication sur des groupes de sites qui sont des calculs très complexes, qui sont des calculs très, très lourds, très coûteux à pouvoir faire. Alors pour pouvoir vous offrir des analyses de qualité qui sont orientées autour du user, nous avons surtout beaucoup investi en R&D ces derniers mois pour pouvoir développer une nouvelle architecture qui est une architecture de calcul distribué, donc qui permet d'avoir un système de calcul qui va être scalable et qui va s'adapter en fonction de la charge. Puisque vous l'imaginez, dédupliquer des visiteurs sur plusieurs sites, ça veut dire d'aller scanner tous les visiteurs de chacun de ces sites-là pour vérifier si on ne l'a pas déjà rencontré ailleurs. Donc c'est un travail qui est très très coûteux et qui est assez titanesque. La bonne nouvelle, c'est que cette brique technologique, cette architecture, elle va nous servir pour énormément de choses, pour tous nos projets à venir, et elles vont nous apporter extrêmement de flexibilité par rapport aux possibilités qu'elles vont laisser entendre. Alors je reviens un petit peu plus aux visiteurs, c'était juste pour vous donner quelques éléments techniques. Aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, ce sont des analyses qui seront dédiées à la mesure du cycle de vie du client, donc en fonction des différentes étapes d'acquisition, de conversion ou de rétention. Donc ces analyses-là, elles vont être englobées dans une option qui va s'appeler User Insights. Donc User Insights, c'est quoi ? C'est une application qui va vous permettre d'avoir une vue à la fois extrêmement macro de votre population sur tous vos sites, sur tous vos devices, et qui va vous permettre aussi de pouvoir affiner jusqu'au visiteur près les actions qui sont réalisées et le comportement de navigation multiplateforme, multi-device. Et dans cette application, vous retrouvez différentes informations. Alors déjà, le device, quel est le comportement ?
Est-ce que mes utilisateurs utilisent plusieurs types de devices? Est-ce qu'ils sont mono-device? Comment est-ce qu'ils vont interagir avec votre marque et à quel moment de la journée? Une fois qu'on a identifié les devices qui sont utilisés, ce qui est très important, c'est de savoir dans quel ordre est-ce que ceux-ci vont être utilisés pour arriver jusqu'à un point de conversion. Et je dirais même, une fois la conversion réalisée, ça peut être aussi intéressant de continuer à regarder comment est-ce que les utilisateurs vont revenir par la suite. Pour ça, nous avons donc travaillé sur des analyses de rétention très flexibles et très performantes qui vont vous permettre de faire du ciblage, de pouvoir activer la donnée et de pouvoir mettre en place des mécanismes de remarketing qui soient intelligents. Alors concrètement, sans plus tarder, je vous présente cette nouvelle application. J'ai repris ici un graphique qui sera donc une analyse qui est déjà implémentée avec des graphiques que nous avons créés spécifiquement pour les typologies d'analyse qui vont être utilisables dès à présent. Vous n'avez absolument aucune configuration à faire. Et donc dans cet exemple multi-device, on pourrait imaginer donc le diagramme de Venn qui va vous permettre d'avoir la répartition du nombre de devices qui sont utilisés par votre population que vous êtes en train d'analyser. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous allez pouvoir cliquer sur chacune des intersections du graphique pour pouvoir aller voir qui sont les gens qui se cachent derrière. Et dans mon exemple, je le fais sur du device, mais vous pouvez le faire également sur des plateformes. Donc je parlais tout à l'heure de séquences. Une fois que nous avons cette information du comportement multi ou mono device, ce qui est important de savoir, c'est quels sont les enchaînements et quels sont en tout cas les scénarios qui apportent le plus de conversion ou alors qui apporte un panier moyen de conversion le plus élevé. Ce n'est pas forcément la première séquence qui finalement va vous rapporter le plus d'argent. Donc ici, une petite représentation de device qui va vous indiquer donc, quelles sont les combinaisons de device jusqu'au processus d'achat avec des indicateurs après de temps entre chacune des étapes pour que vous puissiez aussi quantifier tout ce qui se passe entre chacune des interactions avec votre marque. Ici, je parle de device encore une fois, parce que c'est un exemple parlant et c'est très attendu par la majorité de nos clients. Mais on pourrait imaginer aussi avoir ces séquences-là sur des sites, sur des plateformes ou également sur des sources, puisque ça peut être intéressant également de savoir dans quel ordre est-ce que mes visiteurs vont venir sur mon site, au travers de quel type de source, jusqu'à la conversion et encore une fois, en partant de la conversion, savoir ensuite qu'est-ce qu'ils font. Ce qui va vous permettre de pouvoir identifier les meilleurs points de conversion, voire les pires, puisque ici, dans nous n'avons que 4 séquences, mais potentiellement, vous pouvez en avoir toute une multitude. Donc, comme je disais tout à l'heure, une fois qu'on a réussi à mesurer la conversion, ce qui va être intéressant, c'est de mesurer le taux de rétention de vos utilisateurs, puisque on le sait, classiquement, ça coûte moins cher de fidéliser un client que d'acquérir un nouveau client. Donc pour ça, vous avez une analyse de rétention avec un graphique qui est assez classique, hein, vous le connaissez tous, on en a déjà une version dans notre application tableau de bord. Ici, ce graphique sera assez intéressant puisqu'il sera éditable, c'est-à-dire que vous pourrez cliquer sur chacune des cases pour savoir derrière chaque pourcentage quelle est la population qui se cache derrière et quelles sont éventuellement ses spécificités. Vous allez pouvoir segmenter dessus, donc segmenter par rapport à une campagne particulier, par rapport à une newsletter, par rapport à plein d'événements qui sont de votre fait. Et vous pourrez l'appliquer soit sur des visiteurs identifiés ou des visiteurs cookies. Alors finalement, par rapport à tout ça, ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on a l'information, il faut pouvoir aussi en faire quelque chose. Il faut pouvoir utiliser cette donnée pour la mettre en action, pour pouvoir relancer intelligemment et de manière adaptée les clients. Et donc pour ça, nous avons développé différentes fonctionnalités qui se cachent derrière chacune des représentations visuelles où vous allez pouvoir extraire, ce qui est très important, via des flux API, les visiteurs identifiés qui se cachent derrière chacune des combinaisons. Il ne vous restera plus qu'à pousser cette information-là dans un outil partenaire de remarketing, par exemple, pour pouvoir automatiser par la suite des campagnes ou des relances. Et vous pourrez également créer des segments à la volée, donc des segments visiteurs, pour pouvoir ensuite aller analyser en partant par exemple du graphe de rétention et d'aller voir pour les gens qui sont revenus à la semaine 2, quelles sont les séquences les plus populaires qui les font convertir. Donc vous allez pouvoir vraiment naviguer dans tout cet environnement d'analyse de manière très fluide et très simple avec un minimum de configuration. Alors pour résumer, User Insights, c'est quoi ? Ce sont finalement des analyses comportementales, qui soient cross-device, cross-platform,
ou cross-site, avec des analyses préconstruites. Nous avons vraiment eu à cœur de vous pousser des représentations visuelles qui soient innovantes et adaptées. Vous avez la possibilité donc, d'avoir une vision globale, multi-site. J'insiste vraiment sur cette thématique parce que je sais que c'est très important pour vous, avoir de la déduplication à la volée de visiteurs sur potentiellement la totalité de vos plateformes. C'est un enjeu pour nous énorme, mais c'est aussi une nécessité pour vous de pouvoir accéder à ce genre d'informations. Et c'est également une application qui va vous restituer l'exhaustivité des informations. Donc il n'y a pas du tout de sampling qui est appliqué dans cet environnement d'analyse. Et enfin, je disais tout à l'heure, tout ça sera évidemment actionnable. Donc j'en profite d'ailleurs, je profite de la thématique de la segmentation visiteur pour vous dire qu'il y a un atelier en fin d'après-midi sur cette thématique-là à 17h qui a lieu ici même. Donc n'hésitez pas à venir si vous voulez voir un petit peu plus concrètement comment se passe la segmentation visiteur dans nos outils. Alors, la roadmap par rapport à cette application User Insights qui est très très attendue. Nous avons une bêta qui est programmée sur Q1 2017. Alors, vous avez des deux côtés de la salle des petits réceptacles dans lesquels vous pouvez glisser des cartes de visite si jamais vous êtes intéressé par cette bêta. C'est juste une préinscription, ça n'engage à rien. Ça veut juste dire qu'on vous recontactera au moment où la bêta sera lancée pour vous exposer le programme de bêta et voir si vous voulez participer au test de cette nouvelle option. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça vous a plu et que toutes ces nouveautés vous ont convaincus.